Siamo qui a Marrakech con il professor Ahmed Jemeri che ci hanno fatto questa bella cosa qua di mettere in tutte le università. Non ti preoccupare, va benissimo. Eccoci qua. Ok. È meglio farlo da là. Va bene, non ti preoccupare. Allora, Monsieur Chinidini e Madame Arcidiacono sono mère à porter. Encore ma terre, vai. Ben écoutez, je suis très heureux d'abord de recevoir le premier docteur honoris causa de l'université et qui ressemble un peu au nom qu'elle porte, Kadi Ayad. C'est difficile à parler à toi parce qu'il faut choisir les choses belles et dire seulement les choses belles, mais les choses sales, belles, on les savent déjà. Ok. Envoyer un petit mot. Oui. Marocain, qui est un grand événement. Moi, j'ai porté C'est bien. Ça, il y a le zoom, mais il ne faut pas l'utiliser. Ouais, c'est ça. C'est mieux de le faire sans. Ouais. Et comme ça, on termine. L'identité d'un homme, disait Foucault, c'est son itinéraire. Le tien est en évidence atypique, jalonné d'abnégation et de don de soi. Peu d'hommes peuvent de nos jours abandonner une vie douillette et confortable des rituels de la Méditerranée, peuvent échanger sans préjugés ni particules. Pour réaliser cet objectif, tu as délaissé un calibre d'archevêque flamand, une profession de foi que seuls les hommes et les femmes investis d'une mission qui les transcende et qui les sublime peuvent accomplir. Tes convictions tirent leur force de la foi dans le destin commun des peuples de la terre du milieu. La géographie est tenace de la Méditerranée de conduire à la paix et à la coexistence pacifique. Or, il est regrettable de constater que la Méditerranée aujourd'hui, au lieu de constituer une continuité comme elle a toujours été, représente une véritable fracture entre un nord protectionniste vivant dans l'aisance, certains parlent d'opulence, et un sud qui se débat dans un déficit de développement dont il n'arrive pas à se défaire. Dans le préambule de la déclaration de Barcelone, les participants, je cite, soulignent l'importance stratégique de la Méditerranée et précisent qu'ils sont animés par la volonté de donner à leurs relations futures une dimension nouvelle. Et donc une fondation qui est aussi chef de file de réseau, du réseau italien de la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures. Elle est aussi une institution ayant un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe. Elle est aussi membre fondateur de la plateforme gouvernementale. Il est, en plus de l'architecture classique, il est aussi architecte du dialogue. C'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. En 1994, Michel Capasso a suspendu son activité professionnelle d'architecte et ingénieur pour se consacrer à la construction et le renforcement de l'interaction socioculturelle dans l'espace euro-méditerranéen par des activités multiples. D'abord, les planètes des projets sociaux et interculturels. Spécialiste de l'ère euro-méditerranéenne et expert de la programmation des projections sociales et interculturelles, il a réuni autour de lui
des diplomates, des hommes et femmes représentants de la culture, de la science et des institutions et des experts de thématiques portant sur la vie et les espaces des peuples en Méditerranée. Il a organisé et participé à plusieurs conférences et séminaires internationaux, parmi lesquels je vais citer quelques-uns. Peut-être les plus importants, qui m'ont semblé les plus importants. Aussi, on a affronté de nouveaux problèmes qui sont les problèmes de la globalisation, de la différence des ressources entre les pays, de la différence, de la difficulté à trouver du bon travail, de la difficulté à utiliser la connaissance pour trouver des emplois et la difficulté des emplois qui ne sont pas des spoliations et des mauvaises choses pour les autres. Mais alors, cet doctorat, c'est une grande chose parce qu'il permet de trouver un Michel Capasso en soutien à votre université dans la construction de la formation morale et scientifique de vos étudiants. Le dialogue comme instrument de connaissance, parce qu'à travers le dialogue, on se connaît. Si on se connaît, on n'a pas plus d'ignorance. Et avec la connaissance, il y a la confiance, la collaboration et l'échange. Un autre chapitre, c'est l'islam et l'Occident. Ça, c'est un élément très important. Nous avons eu, il y a 15 jours, une conférence internationale sur l'islam, l'Occident et la démocratie avec les plus grands experts du monde. Et même là, il y a beaucoup de problèmes sur les définitions et sur les concepts. Toujours on parle d'islam démocratique, d'islam progressiste, d'islam modéré, etc. L'islam, c'est une religion comme le christianisme, comme l'hébraïsme. Il existe l'islam dans la religion, j'ai lu le Coran plusieurs fois. C'est parfaitement compatible avec la démocratie, c'est parfaitement compatible avec les droits humains, comme c'est compatible le christianisme, comme c'est compatible toutes les autres religions. Le problème, c'est que le christianisme a eu la capacité de christianiser la modernité. Et avec le siècle des Lumières, il a eu la possibilité de moderniser le christianisme et de l'adapter à la société d'aujourd'hui. Le grand effort que l'islam doit faire, c'est de ne pas islamiser la modernisation, mais d'accepter une modernisation de l'islam cohérente avec la vie de tous les jours et avec le système d'information et de communication que la globalisation aujourd'hui nous impose. Ça, c'est la clé importante qu'il doit poursuivre pour avoir un dialogue avec. À votre regard. Monsieur Kinidiri, installez ici. Je vais mettre de l'autre côté, allez. Je vais mettre de l'autre côté, oui. D'accord. Moi aussi, je veux. Comme ça, je ne veux pas. Oh, Monsieur le Président. Monsieur le Président en train de bailler, tu vois. Non, on se voit bien. Pas de lumière. À part non, la lumière. La paix de lumière. Bah, les chaudes, ça c'est pour le...
On est avec Philali. Merci. Sur la côte bien. Hey, mademoiselle, tu es marocain, non? Oui, oui. Ah, ouais. Marocain. Marocain. La casa bien que nadie se fue. Ah, c'est ça. Siamo nella Medina ricca di storia. Com'è a Marrakesh? Esce adesso un ciuccio. Si è incastrato un ciuccio con una vespa. Non è che cosa per te, voglio. Voglio non è che cosa per te. Ça, c'est de l'université Kenya. Mm-hmm. Fino a lì, fa una bella risata, eh? D'accordo. Molto bello. Rome l'a emporté sur Carthage, mais Carthage, c'était d'abord sa mère à elle, et donc les Romains auraient donc c'est le nord qui s'est imposé. Mais la Méditerranée, non, ça, il faut toujours te rappeler que ce n'est pas seulement le Mare Nostrum, c'est aussi la mer Blanche. Ça, c'est le livre qui m'a imprimé hier avec mon discours d'hier. Ah, voilà. Et ça, donc, ça, c'est a... votre, oui. Ce que vous avez dit. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est mon CV. Votre discours, oui. Ça, vous avez le discours de M. Gébeli. Mon discours, c'est la leçon magistrale dans cette occasion avec toutes les choses de la Méditerranée, l'islam et l'Occident, le patrimoine culturel, l'héritage, etc. Oui. Ça, c'est quelques photos de notre histoire. J'ai fondé la fondation en 1994 avec Caterina Ciliardo. Ah, c'est vous-même qui avez fondé aussi la... Oui, ça, et avec le président de la Macédoine, parce que j'ai aidé beaucoup le peuple de l'ex-Yougoslavie pendant la guerre. Ça, Betrusgar, le roi d'Espagne. Le roi de Jordanie, ça c'est le drapeau qu'ils ont présenté, ça c'est Naguib Mahfouz, le prix Nobel, qui a refusé de retirer le prix Nobel, mais il est venu à retirer notre prix. Il a dit je le prends parce que c'est donné par des militants pour la paix, des gens qui poursuivent le pouvoir de l'amour contre l'amour pour le pouvoir. C'est un bel mot qu'il a dit. Oui. Ça c'est la commission pour la constitution du siège de Marrakech, qui s'est fait en 1999 avec Azoulay et d'autres personnalités. Ça, c'est l'inauguration de la première siège qui serait au palais Dar al-Bacha. Oui, Dar al-Bacha. Maintenant, mais ça, c'était pas propre parce que c'était trop dispersif, c'était pas une chose bonne pour nous. Ça, c'est le siège opérationnel. Donc, vous aviez déjà des relations avec Marrakech? Oui, il y a déjà 10 ans. On a fait des projets. Ça, c'est le siège opérationnel auprès de l'Université Kedayad qu'on a fait. Oui. On a envoyé la signature de l'Université. Ça, c'est le prince Moulay Rachid qui nous a donné une impulsion. Et ça, c'est la lettre de Sa Majesté Mohamed VI. Et puis, le siège de Marrakech comme référence de la Fondation. Oui. Alors, dans ce cadre, je me permets de vous dédier ça. Ah, voilà, donc, c'est très gentil. Vraiment, c'est une bonne surprise. Spécialement pour moi, je m'excuse de vous avoir reçu de cette façon, mais le président... pas normalement que des gens pénètrent dans votre bureau. Mais nous, on est venus esprit. Je dis, moi, je ne savais pas. Quel est votre nom? Non, mais esprit. Parce que je reçois très régulièrement dans les bureaux, mais je sais qui je reçois. Quel est votre nom? Donc, non, mais on n'était pas sûr qu'on a trouvé le temps de venir.
Parce qu'on a fini hier, on est en train de venir, mais on a cherché, alors c'est pour ça qu'on vous a pris le temps de venir. Oui, oui, on a cherché les... C'était mon engagement. Lui, il a essayé tous les matins à se reposer, puis il a dit avant de partir, il faut que je vais au musée. Quel est votre nom? Voilà, c'est comment, Bert Flint. Bert Flint, ça vient de Lamberto. Vous venez d'où? Comment? Vous venez d'où? Moi, je suis d'origine hollandaise. Voilà. Ça fait 50 ans que j'habite ici. Vous êtes anthropologue? Non, je suis hispanisant. Et j'ai commencé par mon intérêt pour l'Espagne musulmane. Et donc, tradition andalouse. Et petit à petit, je me suis rendu compte que le Maroc est quand même avant tout un pays africain. Et donc, la côte méditerranéenne est toute petite par rapport aux frontières avec le Sahara. Hein. C'est de dire, d'accord, c'est un pays méditerranéen, mais c'est d'abord un pays lié au Sahara et à au continent africain. Donc, je réclame quand même aussi la Méditerranée pour l'Afrique. C'est une discussion intéressante quand même, parce que c'est vrai un peu, non, que après Carthage, la Méditerranée est un peu considérée comme propriété de l'Europe. Je vous ai écrit à Monsieur Bert Flint avec mes remerciements pour avoir donné cette possibilité à une grande université. J'espère de pouvoir vous aider à réaliser votre rêve. Voilà, bon, mais c'est très gentil, vraiment. Voilà. Je suis très touché. Je suis un militante de la Méditerranée. J'ai dédié ma vie pour faire ça. Et en tant qu'ancien architecte ingénieur, je vais à réfléchir sur comment on peut. Maintenant, je suis en train de travailler sur le premier bulletin de cet institut. On a bien voulu donner mon nom, donc ça sera le premier bulletin de l'Institut Bert Flint, du patrimoine du Nord-Ouest africain. Je veux dire donc du Nord-Ouest africain, c'est-à-dire le Maroc en tant que partie de toute la région. Le Nord-Ouest. C'est-à-dire en réalité, ce qui m'intéresse principalement, c'est la tradition saharienne, la diaspora saharienne, c'est-à-dire donc tous les peuples, les populations qui ont été obligés de quitter le Sahara à cause de la désertification et la fin du commerce transsaharien, c'est-à-dire donc, ils sont venus ou bien vers ici, par exemple le Moyen Atlas. Toutes ces populations qui vivent maintenant dans la neige, en réalité, ils sont venus du Sahara. Et il n'y a pas tellement longtemps. Et les Touaregs, de leur côté, ils sont allés par contre vers le sud, parce qu'il n'y a presque plus d'habitants au Sahara, parce qu'avec d'abord la désertification, mais après, ils se sont maintenus pendant quand même au moins 1000 ans, à cause du commerce transsaharien. Le commerce leur permettait de rester là et d'acheter leurs céréales et tout ce qui... parce qu'ils avaient beaucoup d'argent en tant que transporteurs de commerce. Et voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire comment ces anciens sahariens, la diaspora saharienne, comment ils se sont adaptés un autre environnement, et donc c'est ça donc, l'origine. Par exemple, il y a un... puisque vous avez éventuellement un intérêt à soutenir cet effort, ça veut dire, parce que moi je propose maintenant, à travers l'université, de créer un institut et un musée de la transhumance à Beni Mellal. Parce que là aussi, il y a une université qui dépend pour le moment d'ici.
Et donc, parce que c'est un mode de vie là, qui a duré 4 siècles, mais qui maintenant, soudainement, avec la sédentarisation, va disparaître. Oui. Oui. Alors, donc, moi, je voudrais quand même que. Parce que vous savez, les palais, même en ruine, sont quand même des témoins des civilisations passées. Mais la Khaïma, la tente, ne va pas laisser de traces. Oui. C'est de dire. Je trouve que c'est très important de faire un musée avec un institut quand même derrière. Hein, je veux dire, donc, moi, j'aime le musée universitaire pour que. Parce que c'est l'université qui peut donner les chercheurs, les étudiants, vous voyez, pour chercher ce que moi je fais ou que je fais faire. De vie ou de maladie. Une retraite. Ou alors donc, il faut quand même que je sois un petit peu prudent et que je garde quelque chose pour l'aider. Si quelque chose arrive, alors donc. Pour le moment, les réserves, je les ai pas données. Mais ce qui est exposé, oui. Et la propriété la réserve, de la maison. Qu'est-ce qu'on les réserve? Qu'est-ce qu'on les réserve? Comment? Qu'est-ce que sont les réserves? Oui. C'est bon, tout ce que vous voyez, il y a beaucoup d'autres du même genre. Et ils sont aussi. Les objets exposés, c'est-à-dire. Oui, voilà, beaucoup d'objets, des milliers d'objets. Donc, vous avez donné seulement la propriété immobilière. Non, j'ai donné aussi tout ce qui est exposé. Ce qui est exposé, mais pas ce qui n'est pas exposé. Ah, ok. Oui, voilà. Ah, vous avez d'autres choses qui ne sont pas exposées. Oui, voilà. Et justement, si vous avez besoin, vous pouvez vendre quelque chose pour vous. Vous dites ça, oui? Oui, pour l'inventaire, c'est-à-dire les réserves. Quoi. Oui. Éventuellement, moi, je préfère non. Oui, et normalement, on devait trouver une solution pour que, disons, si quelque chose arrive, qu'il y ait. Maintenant, ils disent qu'ils veulent créer une fondation pour, soutenir ici, l'Institut, je veux dire. Donc, pour que ça ne tombe pas tout sur mon dos, je veux dire. Donc, parce que. Et puis, si je me trompe pas. Parce que j'entends très mal. Hein. Si je ne me trompe pas, à ce moment, cette ville que vous avez nommée, Ibn-Melil, cette ville au sud où il y a l'autre université, comment s'appelle ? Beni Mellal. Oui, Beni Mellal. Beni Mellal, ça c'est une ville qui, à ce moment, c'est un point de. Si je ne me trompe pas, c'est un point de passage. Oui, voilà. Mais la nouvelle migration. Voilà. C'est un arrêt presque obligatoire. Oui, c'est voilà. Un problème social et du donc, Maroc à ce moment. Ça pourrait. Le Maroc doit faire quelque chose là. Et donc. Ça, c'est la place d'entrée dans l'Europe. Parce qu'il arrive là, puis il passe dans le voyage entre Marrakech et Fès. Vous voyez, je veux dire, c'est à mi-chemin. Et les gens de cette région, quand même, ils sont assez attachés à leur tradition. Hein. Je veux dire, donc, c'est aussi un musée du peuple, si vous voulez. Par contre. Les hôtels, ce sont les chaînes multinationales, ça ne m'intéresse pas, moi, d'aider ce côté-là du tourisme. C'est le côté, social, si vous voulez, mais de l'artisan, parce que c'est aussi le côté artistique, ça veut dire la créativité. Et on voit bien à Marrakech, que le tourisme aide énormément la créativité dans le domaine de l'artisanat, vous voyez ? Je veux dire, et ce qui est vraiment extraordinaire, Marrakech est le plus grand marché, disons, pour l'artisanat du Niger. Pas seulement pour l'artisanat du Maroc, mais aussi pour les bijoux touareg. Qui sont fabriqués au Niger, et qui arrivent ici. Le meilleur marché pour ce bijou, c'est Marrakech. C'est Marrakech. Oui. Alors, vous voyez, donc, c'est ça un peu
le Marrakech, un pays africain, peut offrir quelque chose de la coopération sud-sud. C'est le futur de la coopération. C'est de dire donc, c'est, ce n'est pas seulement un idéal. Non, je veux dire, ça peut être. Où on était assis. Oui, oui, mais c'est terrible si on va les perdre parce que c'est vraiment à côté. Vous pouvez élargir, vous pouvez. Oui, là, oui. Oui, c'est même ici en haut. Oui, ça c'est un grand. Oui, ça c'est plus facile. Hein. Sauf que ça ne donne pas sur la grande rue. Oui, mais ici, c'est presque mieux parce que ça demande Sta facendo? Gira lì, oui. Le chameau, o cammello. Che dici tu, eh? Ti hai accorto che mi viene un gol? Sono la tomba. Su cazzo di cammello mi stai venendo un gol, fino a lì, che non è assicurato. Tu ri, ma che cazzo. Marzo 2007, ancora una volta nella piazza Jamal Al-Fanah. Stesso fascino, stesso casino. Una corte di patetici miracoli con incantatori di serpenti ed altri. Americano.
Thank you.